Et au-delà de ça, laisse-nous souligner que dans les tests, dans les partenariats entre la SADC et la République démocratique du Congo, oui, l'Afrique du Sud a bel et bien souligné que lui fera un apport beaucoup plus logistique dans la force là de la SADC. Et maintenant, avec ça, nous n'avons pas vraiment à en vouloir les éléments de la SADC qui se retrouvent déjà sur le sol congolais. Attendons d'autres éléments. Lorsque le déploiement sera effectif, c'est là que nous serons là pour donner des observations. Mais qu'à cela ne tienne, présentement là, nous ne devons pas en tout cas porter des préjugés ou soit des jugements allant dans le sens de se méfier de cette mission de la SADC. Mais de notre côté, nous restons toujours optimistes dans le sens où la SADC est majoritairement constituée par des pays qui sont beaucoup plus partenaires à la République démocratique du Congo, mais aussi, à part le fait d'être partenaire à la RDC, il y a aussi l'aspect du changement, de la politique externe de la plupart des pays constituant la SADC. Et vous allez voir, à l'instar de l'Afrique du Sud qui est déjà sur le sol national congolais, l'Afrique du Sud a déjà tourné le dos à la politique impériale des Occidentaux. Du côté congolais, nous ne devons pas minimiser la menace. Vous comprenez au moins? Et donc, c'est une menace qui est là et nous devons prendre cette menace très très au sérieux, en vue de ne pas être surpris par tout ce que ces gens peuvent orchestrer contre la République. Et pour ça, le gouvernement congolais est appelé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour bloquer le plan machiavélique de ses ennemis de la République. Et bloquer ces gens, prendre cette menace très au sérieux, c'est-à-dire même n'importe où, ces gens peuvent tenter de progresser par quelques millimètres. En tout cas, s'il faudrait envoyer au moins des bombardiers, même si c'est une seule personne, mieux vaut qu'une roquette puisse être lancée sur lui et on se rassure qu'il est déjà exterminé. Et donc, c'est ça, nous devons prendre au sérieux toutes les menaces que ces gens sont en train. Les spectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous nous recevez à ces nets moments, à travers cette confiance que vous faites à Congo Live Télévision, nous vous réitérons cette confiance à travers ce travail de qualité que nous faisons et pour vous permettre d'être informé en temps réel et avoir l'information à la bonne source. La bonne source, c'est Congo Live Télévision. Comme nous le disons à travers ces numéros que nous tournons, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, porte à la connaissance de l'opinion publique que la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, initialement prévue le 1er janvier 2024, d'une part, et la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus le 3 janvier 2024, d'autre part, sont reportés et seront organisés dans un meilleur délai. Et ces reports se justifient par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives, nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers communaux du 20 décembre 2023. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux, ainsi que les potentiels candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à la patience. C'est un communiqué signé le rapporteur de la CENI, et Patricia Nseya. Nous allons décrypter aussi et analyser et cette actualité. Mais nous allons parler aussi, parce que vous le savez bien, que maintenant la situation est entre les mains de la Cour constitutionnelle. Tout le monde a 2 jours, en ce qui concerne l'élection présidentielle, à contester avec le PV pour probable changement des résultats et que la Cour constitutionnelle va entériner et il va dire et il va confirmer celui qui a gagné les élections présidentielles. C'est incessamment déjà annoncé et durant la fin de cette semaine que la Cour constitutionnelle va se prononcer. Mais nous allons
parler aussi de la situation sécuritaire aujourd'hui et voir la situation de manière possible. Comment se comporte le Ouazalendo, comment se comporte l'armée congolaise sur la ligne des fronts. Et nous allons parler aussi de cette mission que nous avons attendue avec beaucoup d'impatience, c'est la SADC. Mais aujourd'hui, la SADC n'est pas offensif. Qu'est-ce qui se passe et quelle serait la situation dans l'est de la RDC? C'est des grandes thématiques que nous parlons avec notre très cher Ouazalendo ici à Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons eu cette opportunité de le recevoir. Vous voyez que nous sommes la nuit, mais nous sommes dit que nous allons prendre l'actualité. Comme c'est l'actualité, comme c'est l'information, nous allons chercher l'information à n'importe quelle heure. Mon Amboka, déjà nos salutations et bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça dépendra du moment auquel les fidèles téléspectateurs de Congo Live TV sont en train de nous suivre par un instant. Et merci beaucoup pour l'accueil. Nous profitons de cette occasion d'abord pour présenter nos vibrants hommages au fait colonel Mustapha Mamadou Ndala, lui qui aujourd'hui vient de totaliser 10 ans depuis qu'il nous a quittés d'une manière là non illicite. Et pour ça, nous ne pouvons que lui rendre hommage partant de la bravoure qu'il a manifestée vis-à-vis de l'agression que nous avons connue là à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'était toujours avec les mêmes agresseurs, les terroristes RDF de M. Paul Kagame. Et lui, il a donné son corps, il a donné sa vie pour montrer l'exemple à tous ceux-là qui combattent jour et nuit en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Et pour ça, pour nous autres, nous ne sommes pas en train de le pleurer, nous sommes en train de l'implorer afin que son esprit puisse se réincarner dans le mental de tous nos vaillants militaires qui sont sur les différentes lignes de front, là au Nord Kivu. Et au travers aussi cette imploration, nous comprenons déjà que même les patriotes par excellence, les Ouazalendo, ont déjà profité de cette incarnation de l'esprit du vaillant feu colonel Mustapha Mamadou Ndala. Donc c'est juste ça. Voilà, aujourd'hui, puisque nous commémorons ces vaillants soldats, ces grands hommes qui a donné sa vie pour la République démocratique du Congo, et aujourd'hui, il y a de jeunes qui se sont dit, nous aussi, nous allons donner de notre vie pour la patrie. Aujourd'hui, est-ce c'est Ouazalendo? Comment est-ce que se comporte le Ouazalendo sur la ligne de front? Est-ce aujourd'hui, ils sont un peu en retrait ou soit ils continuent de mener les actions aux côtés de l'armée loyaliste qui est les FRDC ou soit nous sentons comme s'il y a le recul ou soit les Ouazalendo sont en train de mouiller le maillot pour défendre l'intégrité territoriale. Laisse-nous vous informer que les Ouazalendo ne baissent pas garde. Ils sont toujours là. Ils défendent la mère patrie comme on dirait c'était les premiers jours de l'agression. Et donc la même motivation qu'ils avaient les tout premiers jours lorsque les terroristes RDF avaient envahi le territoire national congolais, c'est avec cette même motivation qu'ils sont sur les différentes lignes de front. Et d'ailleurs, je dirais, cette motivation a été revue à la hausse, d'autant plus que l'ennemi s'est aussi renforcé. Vous avez vu comment il y a eu mutation de quelqu'un qui était le président de la Commission électorale nationale indépendante, de la RDC. Il a muté vers la rébellion. Et cela a suscité encore une autre source de motivation dans le chef de nos patriotes Ouazalendo, qui se sont dit, comme l'adversaire vient de se renforcer, il nous faudra aussi multiplier, il nous faudra aussi rehausser la morale, envie de toujours contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national, aux côtés, effectivement, de nos patriotes par excellence, nos FRDC. Et pour votre information, aujourd'hui, il y a eu les affrontements dans les territoires de Rutshuru. Aujourd'hui, il y a eu les affrontements dans le territoire de Rutshuru, plus précisément à Tongo et au niveau de Mabenga. Et à ce niveau, jusqu'à présent, nous sommes en train d'attendre les bilans, mais laisse-moi vous rassurer, la manière dont les patriotes par excellence, et nos Ouazalendo, les groupes d'autodéfense, la manière dont ils se comportent, je vous assure que ces gens, les agresseurs, malgré leur coalition, ils ne vont pas trouver par où progresser. Et donc, comme nous le disons toujours, à n'importe quel endroit,
L'agresseur cherchera à sortir sa tête, il sera écrasé et cela sans pitié. Et donc, il n'y a rien à s'inquiéter quant à ça. Nous sommes en train de suivre l'évolution de la ligne de front, même en étant ici à Kinshasa. Voilà, aujourd'hui, déjà, nous voyons la situation du côté, de l'autre côté, dans l'Est de la RDC, où l'EAC est parti. Nous avons aujourd'hui la SADC qui est venue. Il y a la force de l'Afrique du Sud qui a déjà foulé les pieds au sol congolais. Mais nous remarquons une chose. Après leur présence ici, présence dans l'Est de la RDC, dans la ville de Goma, leur mission, là où tous les Congolais espéraient voir en offensif les troupes de la SADC, mais il y a eu une information qui tombe qui dit le troupe de la SADC n'est pas offensif. En fait, nous devons garder notre main à la patience parce que nous devons observer d'abord le déploiement effectif de tous les éléments, ou soit tous les contingents de la SADC, en vue de maintenant faire d'autres observations ou soit d'autres comparaisons. Et au-delà de ça, laisse-nous souligner que dans les tests, bon, dans les partenariats entre la SADC et la République démocratique du Congo, oui, l'Afrique du Sud a bel et bien souligné que lui fera un apport beaucoup plus logistique dans la force là de la SADC. Et maintenant, avec ça, nous n'avons pas vraiment à en vouloir les éléments de la SADC qui se retrouvent déjà sur le sol congolais. Attendons d'autres éléments. Lorsque le déploiement sera effectif, c'est là que nous serons là pour donner des observations. Mais qu'à cela ne tienne, présentement là, ne devons pas en tout cas porter des préjugés ou soit des jugements allant dans le sens de se méfier de cette mission de la SADC. Mais de notre côté, nous restons toujours optimistes dans le sens où la SADC est majoritairement constituée par des pays qui sont beaucoup plus partenaires à la République démocratique du Congo. Mais aussi, à part le fait d'être partenaire à la RDC, il y a aussi l'aspect du changement, okay, de la politique externe de la plupart des pays constituant la SADC. Et vous allez voir, à l'instar de l'Afrique du Sud qui est déjà sur le sol national congolais, l'Afrique du Sud a déjà tourné le dos à la politique impériale des Occidentaux et il est déjà présentement dans les BRICS avec la Russie. Et donc, c'est là... doit nous donner en tout cas une lueur d'espoir par rapport au comportement des contingents de la SADC qui viendront certainement œuvrer, qui viendront en aide à nos patriotes par excellence, nos FRDC, en vue d'écrire aussi, de contribuer à écrire l'histoire de la République démocratique du Congo vis-à-vis de cette agression nous imposée par la communauté internationale en manipulant bien et bien les minuscules M. Kagame et tous leurs alliés de l'EAC. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons cette situation, aujourd'hui, c'est lui que vous avez épinglé ici, qui a quitté la présidence de la CENI, et il est bel et bien Corneille Nangaa, rejoint les FRDC, et rejoint plutôt le Ouazalendo, je m'excuse. Il a rejoint les terroristes, voilà, tout à fait, RDF, tout, voilà. Et tout à fait, il est actuellement à Rutshuru. Est-ce que sa présence, est-ce que leur coalition faite avec Bertrand Bisimwa et les autres, les John Numbi, est-ce que cette coalition sera à mesure de défier nos forces loyalistes et même la force autodéfense de Ouazalendo? Alors, de ma part, laisse-moi vous dire que d'abord, cette coalition ne fera rien. C'est une coalition qui est vouée à l'échec, d'autant plus que c'est constitué d'abord par des gens qui ont trahi la nation. Or, quelqu'un qui trahit la nation, quelqu'un qui trahit son pays, d'office, lui, il est déjà maudit. Et à part le fait qu'il soit maudit, la nature doit se charger de lui. Et donc là, j'ai fait allusion directement à Corneille Nangaa et l'autre là, Bertrand Bisimwa, et les messieurs, les déserteurs là, aventuriers, John Numbi. Et donc, ces gens, en tout cas, ils seront maudits, ils seront engloutis par la nature. Néanmoins, le fait que nous restions optimistes du fait que ces gens seront voués à l'échec vis-à-vis de leur plan machiavélique visant à déstabiliser la République, visant à balkaniser la RDC, du côté congolais, nous ne devons pas minimiser la menace. Vous comprenez au moins? Et donc, c'est une menace qui est là et nous devons prendre cette menace très, très au sérieux en vue de ne pas être surpris par tout ce que ces gens peuvent orchestrer contre la République.
Et pour ça, le gouvernement congolais est appelé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour bloquer les plans machiavéliques de ses ennemis de la République. Et bloquer ces gens, prendre cette menace très au sérieux, c'est-à-dire même n'importe où, ces gens peuvent tenter de progresser par quelques millimètres. En tout cas, s'il faudrait envoyer au moins des bombardiers, même si c'est une seule personne, mieux vaut qu'une roquette puisse être lancée sur lui. Et on se rassure qu'il est déjà exterminé. Et donc, c'est ça, nous devons prendre au sérieux toutes les menaces que ces gens sont en train. Disons que ces gens sont voués à l'échec parce qu'ils conspirent contre leur propre république. Et pour ça, ils seront maudits, ils seront engloutis par la nature. Ils seront engloutis par la nature. Aujourd'hui, la grande question est de savoir, parce que lorsque Corneille Nangané jure que de venir prendre le pouvoir par la voie de la rébellion, ça sera possible face à notre armée, face à tous les dispositifs qui sont en place dans l'est de la RDC? Est-ce que ça sera possible de quitter l'est de la RDC et pour venir mener des actions ici à la capitale quinoise? La réponse, c'est non. Ça ne sera plus possible. Prendre le pouvoir par les armes, le moment est déjà révolu où il faudrait réaliser des coups d'État en Afrique. Et donc, pour ça, en tout cas, ces gens sont voués à l'échec. Mais aussi, au-delà de ça, comme je le disais, ces gens, il ne faudrait pas que l'on puisse considérer leur menace à la légère. Vous savez, ils ne peuvent pas quitter là au nord Kivu, donc à l'est, jusqu'à venir ici à l'ouest dans la capitale. Mais ils ont leurs collaborateurs qui sont peut-être ici, qui ont déjà réussi à infiltrer notre pays, à infiltrer nos institutions. Et du coup, ils peuvent collaborer et pour voir comment renverser les pouvoirs, même en étant à distance. C'est pourquoi toutes les mesures doivent être prises, en tout cas avec beaucoup, avec des dispositions très très drastiques, en vue de détecter, mais aussi de pallier à tous les plans que M. Corneille Nangané et tous ses alliés sont en train de comploter, de planifier contre la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, laisse-nous rappeler que le moment est déjà révolu pour prendre le pouvoir par les armes. Au-delà de ça, la population, quant à elle, n'est pas aussi d'accord avec les plans de la rébellion, comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez le remarquer sur les réseaux sociaux partout, la manière dont la population s'exprime vis-à-vis de la position qu'a pris M. Corneille Nangané, en tout cas, la population n'est pas avec elle. La population ne fait que les critiquer, ne fait que les maudire, et c'est tout à fait logique, et ça montre, il y a déjà des signaux qui montrent à suffisance que M. Corneille Nangané est déjà aux abois et il ne va pas réussir son plan. Alors aujourd'hui, si nous pouvons résumer la situation sécuritaire, nous pouvons voir dans la manière ou dans la mesure de possible, déjà les élections sont en train déjà d'être passées, le président de la République est déjà réélu, mais lorsque nous regardons la situation, si nous pouvons résumer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, pouvons-nous dire que pendant ou durant ces deuxièmes mandats du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous pouvons espérer à un ou soit à une accalmie dans la partie est de la République démocratique du Congo? Il y a de l'espoir parce que la façon dont le chef de l'État a pu concentrer au moins les moyens dans l'armée sur les plans logistiques, sur les plans idéologiques, sur les plans formation, et comprenez que, en tout cas, nous espérons qu'il y aura stabilité, qu'il y aura une paix durable là chez nous, au nord Kivu. Et au-delà de ça, il y a aussi l'appropriation de cette lutte par la population elle-même. Et c'est là où nous sommes en train de voir déjà la victoire qui pointe à l'horizon. Et, en tout cas, ce que moi je peux dire est que les chefs de l'État, ils nécessitent que l'on puisse aider les chefs de l'État vis-à-vis de la façon dont ils se donnent. Il a cette volonté. Et maintenant, ses collaborateurs, les militaires et tous les autres politiciens sont appelés à prendre avec considération, au même degré que les chefs de l'État, cette question sécuritaire. Et vous allez voir, dans peu de temps, la donne va changer
et nous aurons à découvrir en tout cas une paix durable là chez nous au Nord Kivu, pourquoi pas dans toute la sous-région des Grands Lacs. La donne va changer, déjà nous allons chuter. Quel message adresserez-vous à la population congolaise et même au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le message à adresser à la population congolaise est tel que nous devons rester soudés, nous devons rester solidaires, nous devons nous désolidariser de tous les plans machiavéliques visant à nous révolter contre les pouvoirs en place. Au chef de l'État de pouvoir recadrer et, je dirais, nettoyer son cercle, parce que nous estimons que son cercle, en tout cas, ne lui a pas servi convenablement par rapport à la fourniture des informations et tous les renseignements possibles liés à cette question de la guerre. Le social de la population doit être en tout cas une priorité, notamment sur la question liée à la dévalorisation de notre monnaie congolaise, de notre monnaie nationale. Les salaires des fonctionnaires de l'État doivent être revus à la hausse. Je précise encore très bien, les militaires, les enseignants et les médecins doivent être traités avec décence. Et ainsi, nous serons dans un Congo nouveau, prospère, fort et uni que nous sommes en train de rêver.